Le succès, aussi beau qu'il peut être, apporte toujours sa part de doute. Avons-nous sous-estimé l'adversaire? Se tient-il tapis dans l'ombre, souriant en silence, attendant le moment où nous relâcherons un peu notre attention pour nous tomber dessus? Le fait est que j'ai respecté à la lettre le plan élaboré par Florent, et que la première étape s'est déroulée sans encombre. J'attends la suite avec impatience. Dis-moi pourquoi on te court après. T'es impliqué dans quoi exactement? Réponds! J'espère que tu seras plus efficace la prochaine fois. Lily me fait peur. Elle agit avec tant de distance. J'ai l'impression qu'elle est conditionnée pour tuer et qu'elle sait faire que ça. Pour moi, c'est la plus dangereuse. Tu crois pas qu'elle va finir par se retourner contre nous? On peut pas se fier aux apparences. Je suis d'accord avec toi pour dire qu'elle est conditionnée, formatée pour être efficace et obéir aux ordres de Z. Depuis qu'elle est toute petite, on lui fait subir un lavage de cerveau avec des idéaux qui ne sont pas les siens. Elle se réveillera un jour ou l'autre. Ouais. Fais-moi confiance. Je connais Lily depuis qu'on a 10 ans. On se connaît comme personne. Je sais ce qu'elle cache et ce n'est pas ce qu'elle montre. Elle est peut-être fragile, mais intelligente. Elle saura faire les bons choix. Je vais me reposer. T'as raison. Reviens avec les idées plus claires. Je comprends vraiment pas comment tu peux rester aussi calme. On a déjà eu des agents incompétents. Et on a toujours su régler ça à notre manière. Pourquoi ce serait différent avec Ralph? Ce matin, j'ai encore dû faire le boulot à sa place parce que monsieur avait peur d'achever notre cible. Ralph a un énorme potentiel. Il lui faut le temps de s'adapter. Si je l'ai mis avec toi, c'est pour qu'il puisse progresser plus vite. Je sais vraiment pas ce que tu lui trouves. J'ai mes raisons. Je veux que tu le fasses progresser. Prends ça comme une marque de confiance. Et un entraînement pour un futur poste de formateur. Tu sais très bien que je n'ai rien contre toi. Tu es mon meilleur agent. Ma fierté. J'ai besoin de vous pour une petite mission de routine. Il va falloir rendre visite à notre cher médecin de famille. Il paraît qu'il est en train de perdre la foi. Je crois qu'il va falloir le faire taire. Ralph, les choses se sont compliquées plutôt que prévu. Il faut que tu rappliques très vite. Tu veux me dire comment t'as eu cette adresse? Moi aussi j'ai mes secrets, Ralph. Et c'est pas ça qui importe pour le moment. Vous venez pour me faire taire, c'est ça? Nous, non. Mais ceux qui suivent, oui. Donc on ne peut pas attendre une minute de plus. Il faut vous mettre à l'abri. Oui, c'est ça. Une fois le dos tourné, je serai à l'abri définitivement. Écoutez, nous sommes peut-être les seuls alliés que vous allez avoir pendant un bout de temps, donc suivez-nous, s'il vous plaît. C'est trop de pression pour moi, tout ça. Une nuit, vous commencez à faire tous ces cauchemars, et les nuits suivantes, ils ne vous quittent plus jamais. Monsieur, trouvons un endroit plus sûr pour discuter, ils sont à la porte, là. Il vaut mieux éviter la confrontation.
le jardin. Tu voulais faire tes preuves? C'est maintenant. J'ai besoin de vous pour faire diversion. Tout ça à cause d'une simple formule. Je ne crois pas que ça puisse dédouaner votre implication. Tu as raison. C'est comme si j'avais perdu mon humanité. J'ai fait tellement d'expériences qu'une de plus ou de moins. Je n'ai jamais songé à vous ni à ce que j'étais en train de vous faire. Le sérum que je vous ai injecté, c'était un moyen pour moi de gagner ma vie confortablement. Nous sommes humains. Nous ne sommes pas à l'abri de prendre de mauvaises décisions. L'important, c'est d'en prendre conscience. Je ne fais qu'un avec mon erreur. Peut-être que je la digérerai avec le temps. Vous m'aviez habitué à beaucoup mieux. À deux contre un, vous trouvez le moyen de perdre un homme et que la cible s'échappe. Je crois que c'est un record. Monsieur, il n'était pas seul. On m'a assommé alors que la cible était devant moi. En plus, B se défendait contre quelqu'un d'autre. Profitez d'un moment d'indulgence que je vous offre. Et sortez tout de suite de mon bureau. Z, mon intuition me guide vers ce Ralph. Depuis son arrivée... nous travaillons avec efficacité. Et je ne vois pas pourquoi Ralph aurait intérêt à se mettre contre nous pour sauver un médecin qui ne lui serait d'aucune utilité. Je t'aurais prévenu. Premièrement, je n'aime pas ce ton. Deuxièmement, tu sais très bien que c'est ma méfiance qui m'a permis de hisser notre société au rang où elle se trouve actuellement. Lily, je me range à ton avis. Tu vas surveiller Ralph. Il n'est pas impossible qu'il soit impliqué dans l'échec de la mission d'aujourd'hui. Quoique j'en doute. Il y a quand même un truc que je comprends pas. C'est quoi l'intérêt pour nous de sauver le médecin à part sauver une vie? Home vient de perdre la seule source de son pouvoir. Oui, mais... Ralph! Faut que t'arrêtes de chercher à tout savoir. Fais-moi confiance. Je sais où on va. Florent a raison. L'essentiel est que la formule soit hors de portée. Maintenant, objectif suivant. Taper au cœur du problème. Mon père.